Bonjour tout le monde, c'était Asrenbo comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous montrer mes gemmes de cristal, enfin mes gemmes quoi. Voilà, c'est parti. D'abord il faut que j'arrive à ouvrir la pochette. Donc, je fais la pochette, voilà, elle est là. Je vais vous poser une seconde, c'est normal que vous voyez rien. On voyait un tout petit peu. Voilà, j'ai ouvert. Et donc, je vais vous les montrer. Donc, j'en ai pris une au hasard. Hein, donc, voilà. Celle-là. Je vais lever plus ma lampe. Donc, voilà. Et donc, ça, je vais vous dire tout de suite. J'ai la petite fiche hein, pour dire. Alors, c'est jaspe rouge d'Afrique du Sud. Donc voilà, je vais la mettre là pour que vous la voyez mieux. Donc voilà. Après, on a celle. Oh, pardon pour la brosse. Hein. On a celle-là. Je vais vous dire ce que laquelle c'est. Ça doit être jaspe rouge et blanc d'Afrique du Sud. Ça, c'est sodalite. C'est ça, sodalite. Sodalite du Brésil. Ça, c'est l'ambre. Elle est très belle. Donc j'en ai 17. Hein. Donc là on a déjà fait ça. Après on a ça, c'est rose quartz. Ça c'est une mini gemme. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est labradorite gemme du Mexique. Voilà. Et donc par rapport à cette petite élastique transparent d'ailleurs, ben en fait il est deux fois plus transparente la pierre. Très jolie. Et à l'intérieur il y a un petit point noir, je viendrai le couvrir. Attendez, je vais bien remettre ma tablette puisque là je suis en train de tomber quoi. Après, on a celle-là. Je regarde tout de suite laquelle c'est. Hein. Donc voilà, oh, pardon, je n'ai pas trouvé du tout. Et donc, je ne sais pas quelle est cette gemme. Après, nous avons fluorine de la Chine. Fluorine. Elle est très belle. Donc, dans Steven Universe, elle a la fusion de. Bon, bref, on va pas parler de Steven Universe. Donc voilà, ça c'est malachite, donc là elle est un peu cassée. Elle est très belle malachite, donc voilà, je la mets à la lumière pour que vous voyez. Après nous avons une très belle pierre, elle est dorée. Ça c'est la calcopyrite du Pérou. Et c'est pas de la peinture, hein, c'est vraiment une pierre, une gemme dorée. Voilà. Donc une autre. Alors ça c'est quartz œil de tigre d'Afrique du Sud. Et elle est très belle aussi.
on va dire au soleil, elle fait comme ça. Et à l'ombre comme ça. On voit pas très bien. Je suis désolée puisque du coup il y a l'ombre de ma tablette. Après nous avons lapis-lazuli du Chili. Voilà. Très belle. Après, j'en avais déjà une avant, mais je savais pas que c'était du tout une gemme de cristal. Donc là, c'est améthyste, donc c'est ma deuxième. Donc voilà ce qu'il fait. J'en ai déjà une, mais je sais pas où elle est, donc je vous la montrerai dans une autre vidéo. Alors voilà, ça c'est. À mon avis, ça doit être une jaspe. Je vais la mettre là. Après, nous avons une akite d'Afrique du Sud. Après, nous avons opale rose. Du Pérou encore. Donc je vais retirer cette petite élastique puisqu'il m'énerve. Après nous avons Angélite. J'essaye de me dépêcher. Et puis jaspe dalmatien. Enfin. Oui, c'est ça, jaspe dalmatien. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à me poser des questions pour si vous voulez une autre vidéo montage, n'hésitez pas à me poser des questions. À plus!